Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de cette fidélité. C'est le deuxième jour de la campagne électorale en prévision de la présidentielle et des sénatoriales. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin le leader de la plateforme Petite Dessalines, candidat à la présidence, Jean-Charles Moïse ou Moïse Jean-Charles. Monsieur Moïse, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Merci Wendell. Nous sommes contents pour nous saluer. Et en même temps, tout le monde qui est sur nous matin, à travers tout le pays, le monde qui est dans le pays, le monde qui est à l'extérieur du pays, nous sommes honnêtes pour nous. Aujourd'hui, nous avons la convivialité du jour, nous avons les points. C'est une émission que nous vraiment toujours suivre. En plus, personnalité toujours invité dans l'émission. Mais matin, par rapport à nous-mêmes comme leaders politiques, qui ont un discours qui est important dans le pays, qui ont travaillé dans le faire et qui ont passé politique, je crois que c'est une occasion pour nous parler avec le grand public. Là. Et par rapport aux décisions que nous avons prises, nous, comme nous, par rapport aux confusions qui ont autour de un discours qui m'a porté, je crois matin en son honneur que nous là, nous pouvons partager avec le grand public temps, vision nous à partir de l'émission. Ça, nous vraiment apprécié l'invitation. Hein. Dans ce sens, ça, et nous saluons toute l'équipe qui a dirigé Télémétropole, y compris Radio Ato. Mm-hmm. En même temps, et mon capsule non dépaye d'autres, nous comptons pour nous saluer au matin. Mm-hmm. Alors, pour me commencer, c'est pour moi-même personnel, son bar avec une idée de chercher qu'on est déjà. Très bien. Maintenant, profitez, faites-le publiquement avec vous. Mm-hmm. Le nom, c'est Jean-Charles Moïse ou Moïse Jean-Charles? Non, le nom, c'est Moïse, le prénom, c'est Jean-Charles. À mettre fois, mon porté confusion autour de ça. Donc, mais le, plusieurs fois, nous portons confusion ça. Le prénom, c'est Jean-Charles. Le prénom, c'est Jean-Charles. Le nom, c'est Moïse. Le nom, c'est Moïse. Moïse, ok. Mais m'étonner, moi, il va appeler mon autre candidat, oui. Non, comment? Non, il va appeler, je n'ai pas besoin de citer lui. Ok, Jovenel, Moïse, Jean-Charles, Moïse. Nous, c'est famille? Non, nous n'avons pas aucun lien. Aucun lien, du tout? Du tout, du tout. Même de près ou de loin? Même de près et de loin. Et celle ça, par exemple, l'MT sénateur de la République, par rapport au plan nous avons l'MT pensait que c'est Haïti qui pourrait bailler pays et peuple haïtien manger, l'MT a travaillé sur un CD programme, soit pour nous réhabiliter un CD gros entreprises dans le pays, en tant que Welsh, dans nos pays, centrale Jean-Jacques Dessalines, d'abord, et pour nous produire tout, banane, pour nous faire un peu d'autres activités. Il était dans le cabinet à l'époque, ça, qui a travaillé. Et si étant, il était dans le cabinet maintenant, il y a un plan qui a des salaires. Par rapport à vision nous, qui partage là avec le président Matéli, mais je dis, hein, il y a les candidats, mais par rapport à l'union familiale, pas de question ça du tout. Okay. Même temps, il y a un leader politique qui dit ça. Mais le leader politique qui dit ça, yo, son façon pour manipuler le monde. Mm-hmm. Et je dis, hein, et c'est pas moi qui ai un problème personnel avec elle, mais par rapport au côté de l'Altouvel, dans l'élection, par rapport au côté de l'Altouvel, dans l'équipe de l'Altouvel là, qui crée problème. Mm-hmm. Après, ça n'a pas un problème personnel. Ok. Et alors, pour mon décider d'être président de la République, mm-hmm. alors c'est comme ça, je comprends. Mm-hmm. Et moi-même, peut-être, je suis capable de tromper. Très bien. Il une carrière, il une histoire, il un passé, il une bonne vision. Mm-hmm. Ça, c'est important pour le monde qui est candidat à la présidence. Ou même, ou tu es magistrat. Très bien. Ou tu es sénateur. Mm-hmm. Je dis à un candidat. Donc, dans ce sens-là, je suis capable de dire pratiquement. Ou respecter, si vous voulez, parcours ou bien trajet que le monde a dû gagner. Mais dis-nous, où tu fais un temps comme magistrat? Je suis magistrat trois fois. Ça crivé. Qui j'en s'attire entre vous-même et population? Effectivement. Il y a un bagage que nous n'avons pas fait dans le pays pour une carrière politique, ça fait dans le pays. Et, par exemple, en prenant l'élection, ça, Wendell, pour avoir un candidat, c'est parce qu'on préside dans un milieu. Et puis, il y a un multimillionnaire dans le gouvernement, un président, et puis on a dit qu'il y a besoin de plus de pouvoir ou bien besoin de protéger et un groupe monde. Non, mais pas toujours le cas, non. L'inverse est aussi non, vrai. Non, non. L'inverse, parce que c'est le capot, par exemple. Je parle de cas, par exemple. Effectivement, par exemple, moi-même,
me fait dans commune Milo, c'est là me fait petite primaire, après moi entrer dans lycée national Philippe Gayé, après me te dit kiné, nous prend sciences comptables, après dans une constitution que président Castro créé qui est c'est centre studio par l'Amérique latine. CCA son gros centre côté que il formé un pile leader dans la région et qui ba m'opportunité aujourd'hui qui faut me rentrer dans l'Amérique latine, l'Amérique du Sud ou bien dans le continent africain. On pas besoin relé on c'est des présidents dans le continent pour me dire merci m'a venir par rapport lien nous te gain par rapport nous formé même côté nous vinn et tourner Milo nous te dans mouvement paysan de Milo nous t'a pour paysan après nous vinn maïs razone pendant trois fois nous te font bon temps travailler dans GRAP groupe haïtien de recherche d'action pédagogique ensemble avec Camille Chalmers. Et finalement, je fondais la Focal Fondation Connaissance avec Liberté. Son gros fondation qui a dû porter si pour la paysannerie. Mais Madame Michel Pellouis, qui nous a une très bonne relation, finalement, elle est venue dans la tête fondation. Et c'est moi-même qui t'ai cherché. Elle me dit, je n'ai pas de temps, fondation ça, ou bien pour faire gestion. Mais elle était en désaccord par rapport à moi-même, elle dit, n'a porté si pour la paysannerie. En même temps, nous avons investi dans l'éducation. Mais elle m'a seulement à poser des questions d'éducation avec culture. Et là, ça, je préfère quitter la fondation Maïs Camilo. Mais c'est ce que tu es formé, Lodi. Oui, c'est moi qui fonde Focal. Ou pas fondé pour Baldo, pour démissionner, pour quitter. Je quitte. Je quitte. Et je te présente. Non écrit comme membre fondateur, Focal. Oui, effectivement, c'était avec l'ancien député Louis Steven, ça va net. Même, c'est moi-même qui ai eu contact avec et Soros, okay. Qui fait fondation. Et puis, Soros n'est pas d'accord, je suis dans l'État. Je fais choix. Imaginez, je suis dans la fondation. Donc on a bénéficié avec près de 2000 combien dollars le mois et l'événement Maïs Camilo m'a touché 700 dollars haïtiens. C'est un choix difficile dans la vie. Famille était fâchée, tout le monde était fâché. Jodi an nous t'ai vinn Maïs Camilo pendant trois fois. L'événement Maïs Camilo, c'est moi qui fondé association Maïs dans pays an. Nous t'ai commencé dans le nord après le dimension nationale, après m'ai devenu vice-président association mondiale des maires et finalement nous t'ai vinn conseil politique président Préval et nous t'ai en désaccord par rapport macroéconomique avec question microéconomique. Et ça a été un certain malaise de quitter le cabinet mal candidat au Sénat. Nous venons sénateur de la République et aujourd'hui, nous gagnons la possibilité de nous venir candidat. Et même encore, nous avons une élection. Ce n'est pas une volonté qui a manifesté avec rapidité. C'est pas pour les gens qui ont mené battre ensemble avec nous. Nous demandons à j'étais président Matéli avant qu'il n'entre dans l'élection. Tout le monde entre dans l'élection. La plateforme Pinsa l'intégrité pour Col. C'est trois jours avant l'élection nous créons la plateforme. Et vous songez l'homme talent inscrit dans le conseil électoral. Nous avons fait une déclaration qui était vraiment symbolique. L'homme te dit, papa haïtien, je vais être gâté. Nous connaissons bien l'homme te dit, je vais être gâté, ça me devait dire. Je dis, nous avons dit ce qu'on a porté. Oui, mais gâté dans l'intérêt de qui? L'homme dit, je vais être gâté, c'est la communauté internationale qui a imposé au monde, l'élite économique traditionnelle pensée que tu as imposé au monde, et puis l'idée traditionnelle tout, pensée que tu as imposé au monde. Automatiquement, je dans le jouet nous déjà connaissons clairement la communauté internationale en Boulatia, l'équipe qui était sous pouvoir dans le problème, et l'élite économique dans ton parti qui pensait que tu imposé au monde, n'est pas capable, je dis. Et puis, il y a un gros mouvement qui a tout, Wendell Femme 200 passant. C'est même qui a dirigé le gros mouvement qui gagne dans l'Amérique latine, un mouvement qui a dirigé l'activité paysanne. C'est El Camino del Campesino. C'est un gros mouvement qui chita dans le pays, Amérique latine, Amérique du Sud et Caraïbes. C'est moi-même qui ai dit que j'ai mouvement ça aujourd'hui. Ok, donc au grand bel parcours, alors nous retournons sur le qui sommes déposés là. Qui j'en s'attire entre vous-même et la population Miloa? Et on a monté magistrat. Imaginez, magistrat trois fois dans la zone de Wendell. Et je dis, je ne suis pas magistrat. Directeur maire, je me suis quitté les pôles, telle fois que j'ai été magistrat des dômes. Je dis encore, je ne suis pas magistrat Milo, mais je suis pas mon autre vote. Le fait que c'est la plateforme Petit Saline qui est la mairie de Milo. Ça veut dire. Depuis qu'il y a l'élection dans Milo, je suis toujours gagné. Mais pendant ce temps, l'élection au président, qui ça a fait pour induire les gens dans l'air, ils ont connecté la télévision nationale directement dans Milo. Quand il y a des résultats, ils ont dit que Jean-Charles perd 10 Milo. Pourtant, ce n'est pas vrai, c'était pour te jouer dans la tête de gens. C'est vraiment une grave situation. Ça. Mais en tout cas, Wendell, par rapport au passé, nous avons un gros passé politique dans le pays. Hein. Et pendant ce temps, nous avons continué de travailler. Nous-mêmes, qui aujourd'hui avons trouvé nos batailles électorales, et nous sommes vraiment contents par rapport à ce que nous avons dans tout le secteur dans le pays, par rapport à ce que nous avons dans le peuple haïtien. Et nous croyons que nous sommes d'accord pour nous pour Haïti changer par rapport à la situation économique, la situation politique qui est là. Nous ne pas quoi nous capables de dans cette situation. Nous-mêmes, nous avons peut-être une mission pour nous travailler avec tout le monde
pour nous retirer Haïti dans sa là. OK. Nous allons venir avec nous retourner avec point ça tout à l'heure. Mm-hmm. Mais dis-nous, nous constater et au saut confirmer là pour nous qu'on a de très bons rapports avec les dirigeants de l'Amérique latine. Mm-hmm. Récemment là au en Uruguay et il y a plusieurs côtés qu'on passé. Est-ce que ça t'avait dit Moïse Jean-Charles ou bien Jean-Charles Moïse, mm-hmm. président de la République, il pourra développer des relations sud-sud? Et on toujours dit, on dit déjà. Donc c'est ça, c'est ça. C'est ça noir. Politique pas noir, c'est sous ça l'accès. Sud-sud. Wendell. Sud-sud. OK. Maintenant, cadre géopolitique. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas tourné le dos aux États-Unis? Non. Dans le cadre géopolitique, il faut une très bonne relation avec les États-Unis, le Canada, la France. On n'est pas capable, en aucun cas, pour dire, on peut mener nos politiques sans groupe Isaïo. Mais cependant, nous faisons choix d'une forme de coopération. Nous pensons qu'il y a plus bon pour Haïti. Je dis en tout, Haïti. Mais ouais, dans Maurice Jean-Charles, il y a un discours socialiste. Comment développer, pour des raisons géopolitiques, mm-hmm. des rapports serrés avec les États-Unis, alors que, au plus grand discours socialiste, mm-hmm. ou moi, c'est un monde qui gagne un pile reconnaissance vis-à-vis de Fidel Castro, par exemple. Oui. Et c'est pas reconnaissance. Si je dis en, une bataille à mener, ma mène une bataille diplomatique, ma mène une bataille politique, déjà, par rapport aux gens qui m'imposent dans le monde, là, c'est parce que je passe dans l'école de la Kaili, mm-hmm. que c'est une opportunité. Après l'État haïtien, après le gouvernement haïtien, je connais ça envers le pays qui bat qui lui-même a fait ouverture pour nous venir à la Kaili étudier et qui va m'ouvrir ça autour. Je pense que c'est normal pour nous parler de ça. Mais cependant, femme de tout, en passant, nous même sommes dirigeants haïtiens. D'ailleurs, femme de tout, Wendell, pas un pays qui a des amis. Chaque monde a défendu l'intérêt, chaque monde a défendu l'intérêt peuple. Nous sommes capables de coopération avec tout le monde. D'ailleurs, dans le cadre de question, les États-Unis, groupe pays, je parle avec les Américains, je dis, il n'y a pas de droit pour le paix. Même Jean-Président Obama défend le peuple américain, le président Obama défend les États-Unis. Nous-mêmes, tout comme peuple, comme dirigeants haïtiens, non seulement nous avons dirigé le peuple noir, nous avons défendu un très pays, nous avons défendu un très peuple haïtien. Mm-hmm. Je dis à Wendell, comme on voulait, après 200 ans, Wendell, gardez-nous qui ça nous est. Pendant ma parole, là, faute pour Noël, l'espoir pour nous passer devant l'ambassade de Brésil, l'ambassade de Chili, côté jeune qui vient faire études, qui gagne licence dans la main, qui gagne maîtrise dans la main, calcamper devant l'ambassade pour prendre visa pour aller travailler dans le pays. Brésil, c'est ces tigres, c'est lion qui a mangé par rapport à misère. Vous pensez que Petit Dessalines a des capacités de stopper l'hémorragie ça? Oh oui, nous sommes capables. Qui sont capables? Par rapport à un projet de société, par rapport à un programme, par rapport à une vision, mm-hmm. par rapport à une détermination que nous avons autour de ça, nous pensons. Parce qu'Haïti, c'est un pays qui est extrêmement riche, non seulement sur le plan culturel, sur le plan historique, en même temps, tout, sur le plan sur la richesse naturelle. Nous pensons qu'aujourd'hui, hein, par rapport vision nous qui gagne pour nous poser problème production nationale, qui gagne pour nous poser problème intégrité, dignité, souveraineté, qui gagne pour nous poser problème, l'aime parler des questions production nationale, plusieurs aspects. Dans la production nationale, la banne trois avantages. Non seulement la banne avantage pour nous combattre la faim d'un pays, mais la banne l'autre avantage pour nous créer emploi. Or, on est clairement toujours dit dans tous les médias. Je dis, si un pays pose problème production nationale, or, la production nationale qui peut créer le travail, c'est le moteur de la croissance économique. Ensuite, tout. Il y a une question, faire l'agence qui est dans le pays. C'est à travers ça, nous parlons ouvert l'économie pays. Et nous voulons rassurer. Moun, en pile fois, qui a posé problème ensemble avec nous, à partir d'une vision qui est fiable, non seulement nous parlons entrer dans la production nationale, nous parlons protéger Minou, et ensuite nous parlons orienter l'école là. Pas parler de l'école qui est seulement sous palais, mais sont l'école qui est sous la science, l'industrie et la technologie. Nous confortables, et puis tout, forme de coopération, nous parlons de l'Haïti, nous parlons de profitable pour le pays. Je dis en tout, automatiquement nous mettons infrastructure dans le pays, hein, nous mettons nos problèmes de route, nous mettons des méga projets. Ce n'est pas un petit projet que j'aimerais faire là. Question route, infrastructure, question électricité. Électricité, femme de tout Wendell, ce n'est pas un moteur qui a marché toujours avec lui, avec Mazou qui va le battre au courant. Ça veut dire, je pense qu'en gros, Wendell, par rapport à la vision, nous, clair, nous même plateforme Petit Dessalines, au niveau des visions et équipes que nous gagnons, qui regroupent autour de nous, dans différents domaines, nous étant prêts pour que nous relancer le pays vers les progrès. Donc ça veut dire que Moïse Jean-Charles, président de la République, jeune nous a suspendu, prend parti, aller au Brésil. Et je voulais rassurer de ça. Au Chili, ça va pas le suspendre. Je voulais rassurer de ça. Pour que ça, mon opinion. Au connaît le président de la République, je ne te dis au départ, c'est-à-dire qu'il faut un passé. Donc, aucun passé a déjà au même, ou des magistrats, ou voyager en pile côté, ou développer de bonnes relations avec des dirigeants de l'Amérique latine, tout ça, on m'a privé tôt, ajouter à cette information que je gagne, surtout. Mais en même temps, les gens qui parlent de votre
y a besoin de bagaille dans main. Très bien. Ça pas suffit pour nous dire que par le fait que ou voyager, ça pas suffit pour y voter. On prend un exemple qui est plus récent en tant que sénateur de la République. Nous avons même que aujourd'hui Jean-Charles Moïse dit nous qui ça que les réaliser en tant que sénateur de la République. Mm-hmm. Qui ça le réaliser? En fait, si nous mettez de côté manifestation dans la rue, côté notre tête yo, pendant 5 ans, Michel Matélien, qui sont quittés dans le Sénat comme actif ou même pour permettre que électeurs haïtiens voient que ils ont gagné, en pile à gagner dans eux-mêmes si ils élu comme président de la République. Merci, merci. Avant même parler des questions au Sénat, je vais oublié le programme Fonds Petro-Caribé. Non, bien sûr. Mais bon, ça. Non. C'est moi, Jean-Charles, qui initie pour le pays. Moi, je ne peux pas parler de ça facile. Ça, c'est yon. Deuxièmement, les notés sénateurs de la République. Vous dites c'est vous-même qui initiez Petro-Caribé. Oui, pour le pays. Hein? Et je ne peux pas dire comment. Hein? Je ne peux pas avoir explication sur ça. Le Chavez fait coup d'État. Le président Chavez, à l'époque, il était fait un premier coup d'État qui a raté. Mais il y a un président qui était le Carlos Andrés Pérez. Le président Aristide qui était président, il était supporté Carlos Andrés Pérez. Qui s'est passé? Coup d'État a réussi. On le fait encore, Chavez fait tentative de faire coup d'État a réussi. Dans la tête de Chavez, le président n'a pas été supporté. Et le président n'a pas été supporté Carlos Andrés Pérez, c'était un bagage normal. Le président n'a pas été un président, il n'a pas été supporté Carlos Andrés Pérez. Non seulement Carlos Andrés Pérez, c'est un président élu, et il était ami, le président a tout. Quand il y a un coup d'État a réussi, Chavez, par rapport au programme qu'il a fait avec un peu de peine avec Latine, avec du Sud, mais qui ça le dit? Il dit pas aider Haïti. Et le président pourrait lui monter, dans la tête de Chavez, c'est toujours le même secteur là-bas. Mais nous-mêmes, par rapport aux relations de guerre avec pays Cuba, c'est à travers pays Cuba nous passer qui peut faire liaison 1 et qui et finalement qui développer relation 1 et puis finalement programme 1 arriver réussi par rapport à la discussion de guerre avec le président Castro qui finit invité le président Préval et puis là ça nous fait suivre. Je dis, hein, qui s'est passé? Nous qui étions face à nous, venons sénateurs de la République. Par exemple, dans le Sénat, il faut que les Parisiens notent ça, on va le dire là. Si nous pas sénateurs de la République, je ne peux pas essayer de crier. Et je ne peux pas le dire comment. Je me suis dit, en moi, je vais craser tout le banque pays. Si je ne suis pas sénateur de la République, tout le banque pays, si ça n'a pas été fondé, je ne peux pas dire comment. Ou un président qui ne comprend pas l'État, il ne connaît pas le budget qui vote, il ne connaît pas la capacité de nous, qui, comme nous gagnons dans le pays, il monte et puis tout l'argent dépensé, sans contrôle, tout le monde a dépensé comme, et nous arrivons à une époque, vous songez ça? Les qui gagnent moun qui gagnent chèque nan men yo qui toujours aller la banque et pour dou chèque pa gen provision époque emploi l'état qui kon aller la banque mais pour ça l'école yo même yo kon ba au chèque yo fait rien dans chèque yo chiffre là écrit en jan et puis en lettre écrit en façon en chiffre kon l'autre jan. OK, vous dites mon terre en moins qui a crasé banque. Non, ma fin de ce que ça je dis hein, les qu'on y a l'état vinn pa gen cob qui sa président fait il converge vers banque centrale. Mais comme qui est dans la banque centrale là, c'est comme une banque, c'est une banque. Et pour que ça, les gens ne peuvent pas parler. Mais si je ne peux pas parler, les gens ne peuvent pas parler, dans quel sens? Ça veut dire qui ça? Obama a fait ça. Les États-Unis ont un problème, le gouvernement américain a un problème. Non, les gens ne peuvent pas parler. En tout cas, les gens ne peuvent pas parler. Par exemple, les dossiers, ça. Par exemple, là, on dit banque centrale, paye pour moi ça. Le gouvernement dit banque centrale, bon, paye pour moi ça. Deuxième mois, banque centrale, paye pour moi. Mais les banques centrales prennent des décisions, ça ne va pas le payer. Qui cobre? C'est cobre une banque, c'est une banque. Et c'est comme clientèle là. Obama a fait. Parce que Obama a un pays, côté citoyen, paye taxes, il y a 20 ans, il y a un commerce qui a marché, il est capable de renflouer comme ça. Mais nous-mêmes, les qui ont rentré comme dans le DGI, soit dans la douane, et puis on a fait main dans le trésor public, on a fait cobre banque centrale là, et comme ça, il y a un pays citoyen au bout. Et finalement, c'est moi qui ai le courage pour me dénoncer par ça. OK. Donc, vous devez rendre service à la nation. Donc, deuxièmement, nous sommes sénateurs toujours. Bon, monsieur le sénateur. Alors, vous connaissez que nous ne pouvons pas gagner en pile. Non, je vais finir pour une question. Parce que normalement, si nous ne pouvons pas gagner encore. Deuxième bagage encore. Donc, nous, c'est au panneau qu'au sénateur, sur Petro-Caribé. Non.
OK. Donc, qui s'est passé? Moi, je dis que c'est où que tu fais. Qui s'est passé? Je n'ai pas besoin de sénateur comme moi-même, mais je ne suis pas sénateur. OK. Mais je n'ai pas besoin de problème. Vous dites que vous avez sauvé banquier, pas vrai? Oui. Vous avez sauvé banquier. Par un cri d'alarme. Non, c'est un cri d'alarme, et puis je vais des données techniques. Et je dis. Qui est sous bail? Sénateur, Sénat ou bien. Non, collègue sénateur, nous partageons des informations, nous discutons, nous disons mes données. Bon, nous, quelques sénateurs, vous avez dit ça. Et par exemple, c'est un privé à président, je dis. Mais nous avons parlé de ça, nous avons formé de ça. Nous avons dit. Mais est-ce qu'on a un document écrit? Bien, si à partir de. Est-ce qu'on a un document côté écrit qui pour dire que le président est là, a effondré le pays, a crasé la banque? Est-ce qu'on a un document qui était préparé, qui était côté remettre sénateur privé comme collègue à l'époque? Oui, oui. Document ça nous mène? Document ça là, comme le président de la commission de finances, qui nous a communiqué le document ça. Qui ont réagi? Qui ont réagi? Dans le premier temps, il n'est pas fin d'accord avec moi pour ça. Mm-hmm. Il te dit, c'est vrai, mais si nous annonçons ça, il va créer un trouble. Nous me dit, mais si nous quittons le président Matéli et continuons tout, il a effondré le système. Non. Mm-hmm. Finalement, qui est le président Matéli? Il faut songer ça. Il a mis, 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 il a dans le palais national. Et pour ça, il a le directeur gouverneur de la Banque centrale à l'époque, il a réagi. Il a mis, il a mis, il ce n'est pas au point que ça le BH, on met en dans le palais national. Il faut rappeler ça. On succursale que de mettre en dans le palais. Oui, c'était grave ça. Avec tout le directeur là-dedans. Effectivement. Avec des employés. Et puis finalement, l'année l'a moué, et puis le gouverneur a dit non, effectivement, là, c'est pour payer employé. Chaque matin, il y a un fougon qui prend un corps blanc, chaque après-midi, caché chez corps blanc. Nous avons dénoncé ça. Mm-hmm. Finalement, c'est ton gain pour le pays. Deuxièmement, c'est pas ça. Mais succursale, ça, c'était pour parler national seulement que l'État, ou bien moi-même, si je passe comme citoyen, je suis entré dans le palais à toucher un corps. Et non, je parle dans la dimension ça. Je parle aussi de présence physique. On sait qui est sale. On sait qui est sale, banque là qui est en palais national. BRH. BRH, BRH. BRH, c'est quoi? Mais quand il y a l'État, il dit c'est pour payer un employé national, passer un employé. Employeur en pile, me dit bon, pourquoi ça ne va pas mettre dans la mission intérieure, pourquoi ça ne va pas mettre dans l'éducation nationale. C'est pas terre, effectivement, pour te payer employé. Okay. L'autre bagage encore, c'est le problème dans le Sénat public. On propose là, sénateur, n'a pas retourné sous actif dans le Sénat. Non, oui, effectivement. Non, c'est non, ça. On propose là, c'est okay. Ça, oui. Et parce que nous, on connaît un bagage facile, je veux dire, pour me poser toutes questions. Toutes questions nettes. Toutes questions nettes, et puis pour nous. Continuez à brasser l'idée. Très bien. Nous allons prendre pause là et puis nous retournons après. Pas de problème. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Candidat à la présidence, Jean-Charles Moïse est l'invité de la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle que Jean-Charles Moïse, leader de la plateforme Petite Dessalines, candidat à la présidence, est notre invité ce matin. Nous t'ai parlé de. Sur question actif non national. Oui, qui sont quittés. Et Wendell, ma vie sont l'autre, mais je ne suis pas sénateur de la République. Mm-hmm. On prend un pays. Mm-hmm. On prend une compagnie qui était dans 1000 euros la caille moins dans mon boussa. On prend une compagnie qui était. Dans zone bonne pelé, on prend compagnie qui était dans Kankok dans l'Imbé, on prend compagnie minerai qui était dans zone Sanrelé et Roche Plate dans tout du Nord. Un président de la République, unilatéralement, sans accord parlement, sans accord peuple haïtien, et puis bail autorisation à n'importe qui compagnie pour exploiter minant dans le pays, Wendell. Si je ne peux pas présenter une résolution, ça, que tout sénateur ait voté. Comment on va le faire aujourd'hui pour nous continuer à parler de Haïti. Ça, merci mes têtes moi-même. C'est le plus gros acte que nous posons dans le scénario. Cependant, nous pas contre nous, l'exploitation minante dans le pays. Mais il faut le faire sur base de la loi. Il faut le faire sur base. C'est ça qui arrive. Ou demandez pour faire mener. Résolution est demandée pour toute compagnie mine campée et toute autorisation qui est pour camper en attendant que le gouvernement qui est responsable, l'État qui est responsable. Oui, mais qu'est-ce que dit monde qui a travaillé? Parce que le monde s'est tombé dans le chômage rapidement. Non, ce n'est pas question. C'est vrai, il est capable de bailler. Et puis, la majorité des compagnies, c'est étranger qui n'a pas eu Wendell. Et ça arrive, mais en fait, certain, les ressources naturelles, nous, Wendell, ces derniers Z4 que nous avons, ou pas qu'à quitter ton président, qui, au cours de la compagnie, ça a été content tout. Je vais dire comment. Par exemple, je crois que si vous avez besoin de l'argent, un point de monte, ou bien Delta, qui me fait étude dans mon pays, et puis on dit, parce qu'on a gagné 3 phases. La première phase, là, c'est une autorisation pour faire des travaux de prospection. La deuxième phase, là, c'est l'étude. Et puis la troisième phase, là,
c'est la phase d'exploration. Comparé ça qui fait deux phases dans trois phases là, et puis il y a des mines, rapport, il dit mais combien l'eau qui est dans la zone ça, il demande l'autorisation qu'on a pour le travail. Le président qui est la gra, et puis il va même occuper la compagnie ça, et puis il choisit l'autre compagnie, il parle pour le bail autorisation. Ça, nous te dénoncé. Et nous te prenons décision par rapport aux résolutions. Je crois que vous rappelez des résolutions, ça, la fameuse résolution qui c'est vraiment important. Et je veux dire, ça, je veux dire. Je veux dire, ça a toujours campé. Il y a plein qui ont régularisé. Je veux dire. Alors, il y a plein quand président pour recommencer à fonctionner. Non? Je ne pas dit, même, nous-mêmes, c'est sous base de la loi, pour le fait. Okay. C'est sous base de la loi. Mais c'est pendant. Moi, toute la communauté internationale, loin d'elle, un projet ou bien une proposition, par contre, comme déclaré. Est-ce que son projet, si c'est le gouvernement qui veut son projet, si c'est l'autre entité qui veut son proposition, qui est devant le Parlement, je souhaite que les collègues parlementaires, moi, c'est la communauté là qui prépare le projet, la proposition de loi. Ça. Mais est-ce que ça a le mandat parlementaire? Oui, oui. Il l'a donné. Il l'a donné. Okay. Donc ça veut dire que son président de la République, on ne peut quitter mission en tant que chef de l'État et pour faire l'autre bagaille? Non. Ok. Quand on soit même sous ta fond révolution, il faut respecter les principes républicains. Quitter chaque entité, qui est le pouvoir législatif, qui est le pouvoir exécutif. Là. Qui pouvait aller sortir plein de faire travail. Okay. Et puis l'autre bagarre encore Wendell. Non mais la petite des points ça. Non. Bagarre de tout lui seulement. D'accord. La résolution contre présence ministre dans pays là qui m'était présenté. Je dis en tant que Nations Unies dit effectivement reconnaître c'est au qui va couler dans pays là sans son première victoire. Et non seulement m'était présenté résolution mais tout Wendell c'est deux bases différentes. Oui, Monsieur Moïse. Et puis, l'autre bagage encore. C'est deux bagages différents. L'autre bagage encore, Wendell, pendant que sénateur. Nous, c'est deux bagages différents. Entre reconnaître l'implication dans le choléra avec mandé pour quitter le pays, c'est deux bagages différents. Non, l'aide, nous te mandé pour quitter le pays, deuxièmement, pour dédommager les gens qui victimes de la choléra. Okay, donc, non seulement résolution, mais même tout, je fais toute une campagne. Je crois pendant trois ou quatre fois, je suis présent dans les Nations Unies pour me parler avec l'autorité sur ça. L'autre bagage tout, c'est comme que je me mettais dans le budget, ça, avant même nous quitter la phase ça, il faut me parler avec la nation sur ça. Un sénateur pas capable venir exécuter projet lui-même. C'est pas job pam. Mais un sénateur par rapport vision par rapport son quel ou capable injecter comme dans budget qui pour le voter comme ça automatiquement projet loi financement pour le voter ou dit bon ou même comme sénateur qui t'a gain parole qui t'a gain vision et ou dit ou t'as souhaité dans budget ça mais quantité comme qu'on t'a metté pour ces des projets. Je dis hein en pas comme que me mettre dans budget payant pour le nord-ouest à au port de paix ouais au pas comme ça il fait le lavage en pas comme pour réhabiliter Welsh dans nos pays pour réhabiliter centrale Jacques de Salines pour foncer des routes pour paysans Latibonite que c'est moi même qui t'ai injecté comme ça dans budget payant mais je dis qui ça fait le détourner comme yo ensuite gain tout je dis par rapport à sanrele dégâts président Matelio. C'est pas de campé. OK. Pour nous te défendre ça et finalement on l'autre bagaille on parler des propositions de loi. Proposition de loi, par exemple, nous avons trois propositions de loi que nous même nous t'avons présenté national. Non pas y en a présenté. Et par exemple, on t'a pas présenté. Ma parce que ça national pas de actif, faut pas mettre dans actif. On t'a pas présenté ou pas t'a présenté. OK non, mais bon pour nous signaler pour qui ça? Son proposition de loi qui mandé pour gagner l'autre banque dans pays qui ba accès à crédit. Malheureusement, on pas de quoi on monte comme président Matéli t'as pas le quitter le passé même si le parlement a voté mais le tap qui est dans tiroir et je dis proposition de loi ça il faut nous tourner avec yo sur question éducation oui mais c'est pas président pas lié non nous même nous parle dans programme et dans agenda nous que nous parle avec parlement il faut que nous introduisions loi ça pour capable voter dans parlement tu parles des avant projets de loi qu'on est là clair OK et gouvernement ça je dis l'actuel gouvernement son gouvernement bataille en pile pour mettre sous pied. Si le premier gouvernement était là, on pas d'accord avec elle. L'élection Paris est faite, ou goumen, ou crasé l'élection. Est-ce qu'on a un gouvernement ça? Très bien. L'un tape goumen. Non, réponds à la question, sénateur. Non, on pas dans gouvernement ça. Ou pas dans gouvernement ça. Pas gouvernement ça. Plateforme politique, on parle de non, non, non. Nous-mêmes, nous clairs, après le président Préval, après le président Préval fin passé devant le Parlement, la Kaili a invité la Kaili. Pour nous parler de autour des questions gouvernement. Nous dit président, nous même petit Dessalines, nous avons besoin de commission de vérification qui pour dire ça qui est passé dans la dernière élection. Mais question gouvernement. Pas une plateforme dans le gouvernement. Pas une plateforme. Ou alors, il y a des gens qui étaient proches du président, qui étaient dans l'élection, ou nous, la plateforme n'a pas de décision contre lui. C'est-à-dire? Et nous pas entrer dans la question gouvernement.
Attends, qui est ça? Non, on n'a pas besoin de parler sur ça, seulement tu as une décision qui prend et tout le monde, c'est ton décision qu'on est, tout le monde connaît. Président, attendez, au nom de la transparence, s'il y a des informations. Regarde, ça doit dire qu'il est le même, et c'est les mêmes qui sont candidats. Et puis qui, pour le gouvernement, ouais, nous prend une décision contre ça, parce qu'il ne nous pas appelé en aucun cas. Est-ce que il est tout pas dans la plateforme dans tout? Non, automatiquement, il est dans l'autre parti. Non, il est inscrit. Sous bannière, on l'autre parti. Oui. Mais c'est membre fondateur de la plateforme, non? Est-ce que nous sommes tous pas dans la plateforme encore? Automatiquement, les mêmes décident de quitter le Comment ben là, par exemple, ils vont bagarrer jouet. Donc, ça, c'est un dossier qui est classé, nous n'avons pas besoin de parler de lui. Et finalement. Et dit Jackson Alexis. Alexis, c'est un monde qui était dans la plateforme. Non. Ils font bagarrer qui nous-mêmes nous apprécions. Ils vont en note. Ils disent, vu qu'il est impliqué ensemble avec le président Privert, vu le travail qu'il est engagé avec le président Privert, et bien, il décide de écrire la plateforme. Il dit, OK, il était comme un moment actif dans la plateforme comme dirigeant. Et bien, les mêmes couliers. Ça veut dire que la plateforme Petite de Saline n'a pas gagné pour louer avec le gouvernement. Ça. Ah, nous-mêmes. Il n'a pas gagné de monde là-dedans du tout. Du tout, du tout. Nous n'avons pas gagné de monde du tout. Au contraire, nous. Chef de campagne, Dali Valet. Non, Dali Valet lui-même, nous dit des plaisirs pendant la radio. Nous dit, au contraire, lui-même, pendant que tu as parlé dans le cabinet président comme un professionnel, qui a fait un travail professionnel pour nous, il faut faire une différence, pour nous, entre un professionnel qui, on travaille, que moi-même, j'ai vraiment apprécié le travail qu'il a fait pour moi. Là, il était chef de campagne, là, il était fait ouverture, il était orienté campagne, là, il était fait un travail technique que nous-mêmes apprécié. Et je dis, il était tout comme un professionnel, il travaille dans le cabinet président. Ça, nous pas gagné pour nous avec ça. Mais dans le cadre de la plateforme Petite de Saline, nous pas gagné aucun membre qui fait partie du gouvernement. Au contraire, nous avons problème avec le gouvernement là. Non, ça même sénateur qui est le président chaque jour, même tu as des accords avec lui. On va parler nous par rapport à la question de gaz là, right? Non, il n'y a pas de des accords, on ne parle pas de ça, oui. Comment pour un monde qui membre dans le gouvernement, ou un ministre dans le gouvernement prend une décision, et pour le gouvernement, le président ne va pas arrêter pour le monter gaz, le président ne va pas arrêter pour le monter gaz, le président ne va pas arrêter pour le faire tout, c'est dans le conseil des ministres pour décision à prendre, c'est dans le conseil des ministres, oui. Quand il y a chaque parti ça a un ministre par dans le gouvernement. Qui parti au parlement sénateur? Quel parti tête calé il pas critiquer vos décisions parce qu'il y a un ministre par là. Famille Lavalas pas capable parce qu'il y a un ministre par là. La paix pas capable parce qu'il y a un ministre par dans le gouvernement. C'est dans conseil des ministres décision point. C'est conseil des ministres qui dit n'a monter gaz ou bien ou pas monter. Donc ça veut dire que tout le monde ça c'est la démagogie à faire. Démagogie. OK. Ça veut dire c'est à travers ministre. Mais il y a dit même bagarre là pour tout parce que même lorsque on dit qu'on s'en pas un monde dans le gouvernement. Moun pou ki kwè, moun ki pou kwè ap kwè, moun ki pa pou kwè tou. Mais non, m'pa comprendre. Ki moun. Yo pa di ke gen ansyen mambou ki de désigné moun nan affaire sociale par exemple. Non, bon, yo bien di ansyen mam. Ansyen mam. Même ansyen mam sa tou li karité du konsa pa d'accord avo pa gen droit mete l deyò. A sa nivou se gen a di ke pa. Non, nou pa mete moun deyò. Non, mais non. Nou pa mete moun deyò, moun nan gen droit décidé kite. Non, mais s'il pa di ça li même. Non, moun nan gen droit décidé kite. OK. Bon, ça veut dire ki ça. Là son détail, son détail. C'est pas détail, c'est pas détail. On nous clair sur ça. Fon pas démagogue. Fon concret, automatiquement, le gouvernement, ou fait partie de lui, le gouvernement prend une décision, si vous pas d'accord avec la décision, si vous ministre, c'est pour aller. Mais vous n'êtes pas d'accord pour dénoncer la décision. Ça veut dire que ça, vous n'êtes pas un ministre qui représente un parti politique, pour prendre une grosse décision comme ça, dans le conseil des ministres, pour ne pas informer le parti politique là. Nous-mêmes, c'est ça qui fait nous prendre distance, nous dit clairement, nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement, nous ne pouvons pas rentrer dans le gouvernement. Mais le parti qui présente dans le gouvernement, il n'y a pas qu'à critiquer la décision, c'est pour prendre responsabilité devant la nation. C'est pour connaître, automatiquement, il y a un ministre dans le gouvernement, si vous pas d'accord, c'est retirer pour être ministre. Mais ce n'est pas dénoncer, mais ce n'est pas trop facile, mes amis. Bon, il y a un parti politique. Bon, ensuite, il y a un parti politique, je dis, qui prend matériel l'État, qui fait campagne. Qui bâtit ça? Je connais, il y a un parti, et à regarder qui travaille CNE à faire, ou après, dans tout le pays, c'est pour un candidat. Qui candidat? Je ne parle même pas pour un candidat. Non, ça m'a signalé. Okay. M'a souhaité. Vous voulez parler de Fabien Lavalas parce que tu es un candidat que tu dis là déjà? Non, je ne parle pas de signaler parti politique. Même d'où. Non, mais écoutez, vous parlez de dirigeant pays, n'est-ce pas? Vous appelez à dirigeant pays. Oui. Si ça, qui sont violations de décret électoral, ou perdil, ou perdil. Ou pas capable de faire non, suffisamment pour prendre des mesures drastiques contre la politique. La différence, le chef d'État. Avec quoi nous battons électoral. Les mêmes décès, c'est le bagaille, sont faits, qui m'ont relaté pour les Haïtiens qu'on est, des candidats
Il y a un parti politique, il y a un matériel de l'État qui a fait campagne. Oh, il semble que vous avez monté le sable. Non, il n'est pas remonté. Il semble que vous avez monté. Non. Non, parce que, écoutez, à qui ça, mais ça et ça a servi? Qui est-ce la plus utile pour nous? Mais à qui ça a servi? Okay. Mais à qui ça a servi? Les populations connaissent qui est-ce qui a servi? Eh bien, les salades déjà connaissent qui candidat. Les populations connaissent qui est-ce qui a servi? Les salades servi. La population connaît qui est-ce qui a servi? Palais national. Les salades comprennent. Mais nous-mêmes, nous prenons distance, nous. Nous pas impliqués dans l'affaire gouvernement, nous avons une campagne avec les moyens que nous gagnons pour nous gagner l'élection. Cependant, son honneur, pendant que vous invitez nous ici, hein, pour me profiter de mon momentum, ça, okay. Pour me dénoncer ça, et me souhaité, il semblerait que le président n'a pas au courant de ça. Peut-être à partir de l'émission, ça, je garantis l'attendre et la prendre décision nécessaire. Plateforme Petit de Saline, bon budget pour campagne électorale là? Oui, nous avons budget. Combien pas oublier? Nous avons un budget à peu près 4 à 5 millions de dollars. Mais. Qui côté de la plateforme mais, ça? Non, nous parlons d'un budget. Un budget. Nous faisons prévision. Qui côté de nous faisons prévision. Qui côté de nous faisons comme ça? Et nous sommes dans la diaspora, nous avons mobilisé la diaspora, nous avons mobilisé un peu le monde. Hier, nous avons été un journaliste qui était là, qui est un journaliste scoop, il était ouais. Par rapport à l'ensemble de monde qui a dirigé la plateforme, les gens qui ont abordé la campagne là, nous prenons une décision. Une décision interne pour eux-mêmes commencer à contribuer. Cependant, nous faisons appel tout à la classe moyenne pour porter coller dans le mouvement. Nous faisons appel tout à tout le monde, étudiants, tout porter coller par nous pour nous jouer comme ça. Forme de tout en passant, dans la première tour élection, nous avons gagné un budget de 6 millions de dollars américains, mais nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas connecté 400 000 dollars américains. Mais nous avons gagné, et je suis content, et Wendell, par rapport à monde qui faut me féliciter tout pendant là. Je félicite la classe moyenne, en pile dans qui aujourd'hui a contribué ensemble avec nous. Il y a même policiers qui mettent 500 dollars dans l'enveloppe pour nous. Il y a quelqu'un tout qui sentit le programme nous en Liban pour Haïti, et bien, ils ont contribué tout. Et les gens, nous apprécions. Mais tout le monde a fait plus d'efforts, surtout classe moyenne, pour continuer à porter coller vers la campagne pour que nous capables d'avancer. En quelques secondes, est-ce que vous dit pour qui ça? Je dis bien, en quelques secondes. Pour qui ça? Il y a un Haïtien de voter Maurice Jean-Charles, de choisir Maurice Jean-Charles comme président. Très bien. Pour bagay, c'est nous-mêmes qui, parmi tous les candidats, qui ont un bel passé politique. Deuxième bagay, nous pas impliqués dans la question de corruption. Troisième bagay, nous avons une capacité pour comprendre l'État, pour à partir des expériences que nous faisons. Et nous avons une vision sur le monde. Parce qu'un chef d'État n'a pas seulement une vision sur le national ou bien local. Il faut une vision sur le monde. Et non seulement il faut une vision sur le monde, mais tout, il faut connaître le monde là. Lorsqu'on est dans le monde là, ou porte ouverte plus facile. Et je dis à nous, dans le monde globalisation, mondialisation, ça a un accès. Je dis, par exemple, je dis, je vais téléphone, je vais le président, je dis, je viens la caillou. Ça, c'est un accès que l'autre monde n'a pas gagné. Ensuite, par rapport à la vision, nous-mêmes, c'est nous-mêmes celles qui disent, nous-mêmes qui nous sommes. Nous-mêmes sommes hommes de gauche, sont socialistes, qui croient qu'il est fort barré au changement d'un pays. Et ensuite, par rapport à l'autre candidat, nous ne sommes pas impliqués dans la drogue, nous ne sommes pas multimillionnaires pour gagner la caillou ou bien pas qu'être l'argent la caillou au pays. Pour dire à droite, à gauche, et je dis à tout, c'est seulement nous-mêmes qui croyons que nous regardons tout le monde dans le ensuite, moi-même, tout, autonome par rapport à la bataille que nous c'est vrai, nous avons un board, c'est le peuple haïtien qui a mené nous, même pas un patron personnel. Ou après, en pilote candidat, c'est le monde qui est entré dans l'État, qui est multimillionnaire et puis qui a besoin de pouvoir. Mais nous-mêmes, nous condamnons toute vie nous baillons toute vie nous depuis 25 à 26 ans, nous avons besoin pour changement dans le pays. Ensuite, par rapport à la vision de Wendell, c'est nous seuls qui avons campé pour nous dire, nous ne pouvons pas mettre de nouvelles banques dans le pays pour avoir accès à crédit, pour nous élargir l'économie payante, pour les gens qui gagnent des millions, qui gagnent des milliards, ça gagne des milliers pour gagner des millions, ça gagne certains qui gagnent du tout pour gagner des millions. C'est nous seuls qui avons campé qui a dit, nous ne pouvons pas entrer dans la position nationale, oui. C'est nous seuls qui avons campé nous dit, nous ne pouvons défendre les ressources naturelles payantes. C'est nous seuls qui avons campé qui dit, nous ne pouvons pas poser pour le ministre. L'autre, qui candidat a dit encore? Parce que tout le monde, d'ailleurs, la majorité des candidats, ou bien c'est l'ambassade qui est dehors, ou bien sont élites traditionnelles qui est dehors. Oui. Mais nous-mêmes. Vous comptez bien que le discours de gauche, là, son discours qui est un petit peu presque dépassé, je dis, là, parce qu'en pile, le monde qui gagne, il est présenté comme des populistes. Non, et il y a un monde qui même allait plus loin, qui parlait de discours. Anarcho-populiste. Non, il va non, nous allons. Ou pas là, ou même. Non, il va à niveau ça, Wendell. Non, c'est que ça m'a posé. Est-ce qu'on connaît tout, par exemple, discours Dessalines, pour le Compétion, pour la Caépétion? Est-ce qu'on connaît toujours dit en 2016, c'est des discours qui font un peu le monde peur? Ah bon? Sans nouvelles?
Au contraire, nous pas arrêter en haut, en bas arrêter, non, faut croiser pour nous parler. Si par exemple si nous étions en bas et puis groupe on est en haut, mais faut croiser. Monter à l'ouen ou pas l'ouen. Bien content qu'on dit que c'est moi qui a prononcé ça. Non. Non, pas de comprendre si tu comprends comme ça, c'est nous dit ça nous-mêmes. Mais dans zone Gobert, dans commune Plaisance. De salin t'en avec Pétion. C'est là tu as une entente pour te avancer avec bataille. Oui, mais je dis en grand monde qui pensait que c'est pas des ententes là que nous avons aller. Et l'un te dit nous pour aller monter Pétionville. Pas quoi c'était question violence parce que nous monter Pétionville nous courir une manifestation dans la rue. Laisse ça tout le monde regarder, tout le monde content. On était vraiment content. Il était semblé avec Washington l'eau pour qu'on nous l'ait Washington soleil. Non, c'est pas même bagarre. Nous-mêmes, écoutez Wendell. Nous voulons monde qui dans l'eau pour rester dans l'eau en Wendell. Faut arrêter là. Si on pas arrêter là, n'a fait payer en tort. Mais faut prendre monde qui dans soleil yo pour nous mettre à côté de l'eau, c'est le contraire. Question pour nous prendre roche qui dans l'eau pour mettre dans soleil là, nous pas faire ça. D'ailleurs monde qui dans l'eau, si nous retire dans l'eau, et ben n'a couper de l'eau. D'ailleurs c'est monde ça qui moi dans mais yo, on pas pas devoir payer sans monde ça yo. Même veut pour rester dans l'eau hein, sans nous pas avoir problème, mais faut ramasser monde qui dans soleil yo tout, mettre à côté de l'eau. C'est ça qui fait discours qui ça le dit Wendell. Nous voulons ouvrir l'économie pays hein. Pour les gens qui ont des millions, pour les gens qui ont des milliards. Ça gagne milliers, pour les gens qui ont des millions. Et ça n'a pas du tout qui est en train de milliers dans la main. Ça veut dire que nous voulons une économie qui est ouverte pour tout le monde capable d'avoir accès à la marché, hein, pour tout le monde capable d'entrer dans la production payante. Je dis à Wendell, en imaginez, l'ensemble des banques pays à Wendell, c'est 55 milliards de gouttes qui ont payé comme crédit. Mais dans 55 milliards, c'est 1000 personnes qui prêtent 50 milliards. Oui. Et puis, 5 milliards étaient pour 11 millions d'habitants, il n'y a pas qu'à comme ça. Donc, vous avez que l'élargi. L'élargi, et puis tout, Wendell. Mais qui sont-ils faire pour l'élargir vous-même? Et nous pouvons créer richesse. À travers quoi? À travers production nationale, à travers services qui parlent dans le pays, hein, à travers un programme de développement, à partir des stabilités politiques, à partir des stabilités économiques. Et là, ça nous fait tout le monde entrer dans l'économie pays. Vous parlez de stabilité politique, pas vrai? Très bien. Stabilité politique, là, de qui est-ce que cela dépend? De vous-même? Et en premier, chef d'État qui vous baille le ton en premier. Pas nécessairement. Et sauf de opposition. Non, non, l'aime dit ça. Sauf de manifestation. Non, non, l'aime dit ça. Parce que stabilité, elle dépend de ça. Pas non, 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 l'aime dit ça. Chef d'État qui vous baille le ton. Il faut le comporter comme président tout le monde. Mais soit vous comportez ou même si président est tel ou pas président tel, là, ça va créer un malaise. Nous-mêmes, comme chef d'État. Non, mais il y a des gens qui parlent de comment faire ces jours-ci à nous réaliser que stabilité politique est bon et que pendant l'autre, elle n'est pas bon. Écoutez, de vous président, ou a violé la loi. De vos présidents ou a les bails personnels. De vos présidents ou a sapé à qui démocratique. De vos présidents ou a favorisé un groupe dans le pays. Laisse ça ou créer un trou et ou a tombé là-dedans. Mais sous président, ou connaît A, c'est la loi. B, faut. Donc, ou bien on va le faire appliquer la loi. Appliquer la loi. Ok. Dis-nous, où définit le programme gouvernement déjà? Oh, bien sûr. Autour de quoi? Il définit autour de. Qui ça nous besoin? Nous besoin en société. Souverain, nous besoin d'une société qui est solidaire, nous besoin d'une société qui prospère. C'est le trois axes. Et à partir de ça, nous découler à partir d'un programme, d'un plan que nous avons, des questions de production, production nationale, qui c'est pas seulement pour faire patate, pour faire manioc dans le pays, mais dans le sens large, y compris artisanat et dans l'autre domaine encore. Et deuxièmement, à partir tout de l'éducation, qui c'est base nous. Par exemple, nous avons... Attends-moi là. Moi, question maintenant, est-ce que le programme gouvernement est défini déjà? Clair, okay? Clairement défini. On dit clairement défini. On parle de production nationale. On dit que ce n'est pas patate, ce n'est pas maïs, right? Non, il y a là-dedans. Il y a là-dedans. Ce n'est pas ça seulement. On parle de production nationale dans le sens large. Ok. Après, on parle de éducation. Oui, il y a une éducation qui parle chita sur la science, la technologie et l'industrie. Pour qui ça? Nous venons découvrir. Donc, ça veut dire qu'au quoi dans la science? En pile. Ou sont un monde qui est très scientifique. Eh? Très. Ça. Ok. Ou pas. Attendez. Un capé là. On va être capable d'élaborer sur ce sujet. Oui. Un capé scientifique là. Qui ont réagi par rapport à dernier sondage? Et. Par exemple. Sondage. Non. Compagnon. Jeudi, qui s'est passé? Toujours gagné. Dans le pays tiers mondial, ça a toujours fait. Dans le pays tiers mondial. Le fait qu'en pile fois gagné dans le pays, il y a un gros pays ou bien une élite qui prend une institution et utilise pour faire une bataille psychologique. Ou bien toute campagne pour aller ouvert, il pense qu'il y a un candidat pour ne pas jouer une corbe, et bien il met un sondage pour faire un monde payer.
ou bien tout pour pas quoi dans sondage même et tant quoi sondage qu'a fait dans moment ça yo et pas pour incision yo gna on pas quoi ou pas quoi yo on connaît la science même pas quoi dans monde qui fait démagogie par exemple au candidat ou besoin d'un avantage politique et bon relon film on dit bon cop fait elle bagarre pour moi mais gien film tout effectivement pour faire sondage à votre avis c'est la norme je dis c'est la règle je dis monde qui gien cob yo ba faire sondage pour yo c'est clair. Ça oui en plus candidat fait en pile candidat fait en plus candidat fait mais pour qui ça on va faire tout non nous même nous croyons dans ça à partir de l'élection qu'on va faire par exemple l'élection qu'on va faire là à travers pays hein, ou déjà ouais comment on vote là pour l'orienter par contre c'est ça nous même qui ça nous croit là-dedans nous croyons dans capacité de mobilisation peuple haïtien nous croyons que automatiquement peuple là lui-même lui croit lui d'accord avec un candidat lui manifeste il et ça pas empêcher tout nous faire sondage interne pas nous OK mais ça va où ça va où l'irrité pour nous non l'irrité pour nous non ce sondage nous fait pour nous l'irrité pour nous ouais nous confortable c'est pas sondage sur intention de vote et effectivement nous fait pour l'irrité pour nous évaluer mais attendez bon sauf faire pour l'irrité pour si c'est sous intention de vote. Résultat sorti pour vous tout. Effectivement. Il est en faveur ou? Ça, c'est ce sondage qui me fait pour nous. Et qui est en faveur nous. Mais qui montre nous, côté nous faible, côté nous fort. Okay. Et ça, c'est pour nous. Okay. Mais tout, il y a des candidats qui, par exemple, ont des décisions dans le pays. Et puis, chaque fois, l'élection peut arriver. Et puis, ils ont commencé à préparer un coup d'État électoral. Et puis, mais, ils font un travail psychologique pour commencer à dire, pour commencer à dire, okay. Mais qui est le premier, mais qui est le deuxième. Donc, pas quoi, sondage qu'a fait là aujourd'hui, là, ou pas quoi là, non, non pas quoi. Même sous scientifique, mon pas quoi dans sondage ça. Non, non, mon scientifique. Oui, mon pas quoi dans sondage ça. Mais c'est pas Jean de Baïsa qui a fait là. Okay. Ça qu'a fait là, imagine. Mais si comme Barazal, tu es bon en tête. Non. D'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas dénoncé. Pour qui ça? Ou quoi t'as dénoncé? Bon, mal pour qui ça? On connaît ça. Par exemple, quand il y a un sondage qui fait dans un pays, il y a un tête dans ou dit? Minorel. Pour qui ça? Même mon ça. Même si vous faites un sourire dans le cœur, mais ou minorel? C'est pas de question de sourire. Mais le bon tête, pas besoin. Attendez, l'on parle dans l'élection, Wendell. Et pas pour une femme parle dans l'élection. L'on parle dans l'élection. Depuis l'inscription, il faut que ça gagne. Oui? Par exemple, moi-même, je dis, on est confortable dans un pays. On faut que tu Wendell. On est sincère. Mais c'est ça qu'on fait là. Bon, qui candidat là qui a fait petit design qui a compté Maurice Jean-Charles? Quel candidat qui contrôle pas la communauté internationale là? Qui ça contrôle pas l'élite économique traditionnelle là? Qui ça contrôle pas l'ambassade? Qui a fait nous là? On retourne à la question. Là. Production nationale, éducation. Oui, qui? Avec une place importante de la technologie et de la science. Pour ça, Wendell. Bon, okay, bon, non, après bon. Deux points ça. Oh. Et puis. Le peuple ici en capsule aujourd'hui là. L'idée attendre à qui ça nous faisons parler pour production nationale pour que richesse dans pays pour élargir l'économie pays deuxièmement nous pas passer par éducation nationale qui me dit où qui parle chita sous trois piliers pour qui ça parce que nous raté trois grandes révolutions dans le monde là Wendell nous raté révolution industrielle nous raté révolution verte et nous raté révolution technologique nous pas n'ayon je dis à fond profiter moment pour être capable de venir avec une forme d'éducation qui facilite nous pour ne pas préparer les citoyens seulement pour le marché local, là, mais pour être capable d'entrer dans n'importe qui marché. Quel que soit un gros nombre d'ingénieurs qui quittent Haïti, depuis qu'ils viennent à Miami, pour le suivre, c'est soit là le couple Zep qui a eu le monde, ou bien là le travail dans le restaurant. Il n'y a pas comme ça. Alors que n'importe qui ouvrier cubain arrive à Miami, il est entré dans n'importe qui entreprise. Ça, nous ne pouvons pas changer ça. L'autre bagaille, sous question infrastructure dans le pays, électricité. Électricité, nous pouvons parler avec acteurs qui sont dans le domaine ça. Pour l'État capable de faire une activité mixte ensemble avec eux. Pour ce qui est un moteur qui marche toute journée avec l'huile, avec gaz ou bien mazout pour nous courir. Le fait que la technologie développée, nous pouvons mettre l'électricité dans le pays à travers le soleil, à travers le vent qui va monter dans le nord-ouest pays, à travers la rivière, à travers le chalet, à partir d'un système thermique pour prendre un chalet qui est battu pour transformer pour bailler courant dans le pays. Et ça, tout, question infrastructure, nous ne pouvons pas parler de petits projets, nous parler de méga projets. Par exemple, il y a des routes que nous-mêmes nous prévoir pour pays qui c'est gros projet qui est capable de relancer l'économie. Pour faire pays marcher, ce n'est pas l'État qui parle de travail seulement. Ce n'est pas on partit dans le secteur privé, on parle de nouvelle classe économique. Il faut que l'État crée conditions pour que nous soyons capables à l'aise. Non seulement il faut avoir la sécurité, mais il faut tout mettre en façon dans le pays. Si pas gagner de loin dans le pays. Qui sont pas mettre le secteur ça en confiance? Pour nous mettre en confiance, il faut que nous ne nous pas. Deuxièmement, nous créons conditions, nous baissons la sécurité. Et je dis en tout, que la sécurité, ce n'est pas seulement la police. On ne peut pas lever deux jours, trois jours pour manger, ou pas lever pour Mounsa, il y a en paix. Parce que je dis à Mounsa, qui parfois crée insécurité, il hein,
faut que nous mettions nous dans une condition pour vivre dans le monde, pour que nous capables de mettre tout le monde à l'aise dans le pays. Je dis, et nous sommes capables de dire tout dans la question de mettre l'information dans le pays, un point de communication, non. Système de communication, non. Il faut entrer là-dedans. Ensuite, une entreprise qui est dans le pays, qui crase, il faut retourner avec eux. Wealth dans nos pays, centrale de l'exalte. C'est un débat, ça. Bon, parce que vous avez l'impression, M. Moïse, que vous plus envie un président nord, un président grand nord. Non, il n'est pas comme ça. De toute la République. De toute la République. Imaginez-vous. Par exemple. On sort de roi Henri Christophe. Non. Nous dit des salines. Pour qui ça? Donc on songe que Christophe dans le nord, Rigaud dans le sud, Pétion dans l'ouest. Non, nous ne pouvons pas faire ça. On entend ça, nous là, nous ne pouvons pas faire ça. Nous-mêmes, qui ça nous dit, par exemple, vision nous autour des pays, c'est tout côté, nous avons une entité, nous avons, on sait des points dans le pays, il faut nous mobiliser pour nous transformer en richesse pour tout le monde dans le gâteau. Quel programme nous avons? Qui est-ce qu'on est capable de faire ça, ou capable de faire transformation ça? Qui ça au senti qu'il faut qui soit gagner en main qu'il faut qu'on croit qu'on va transformer Haïti dans 5 ans ou qu'on va transformer la vie monde qui pauvre la vie haïtien en 5 ans préparer ces idées deuxième bagage des bagages concrets que nous gagnons gars qui me ca dit en dans pays qui candidat ca dit gars avantage que me gagne pour Haïti qui monde encore qui candidat ca dit là par exemple je dis en tout par rapport à... Donc, vous avez dit que tout candidat qui a gagné, c'est ça? Je crois ça. Tout... Deuxièmement, il y a accès ou pas gagné. La majorité des candidats qui sont venus pour prendre un corps dans l'État. La majorité des candidats qui sont venus pour continuer à prendre un corps pour protéger on sait des gens. Mais nous-mêmes, nous candidats pour les pays haïtiens, par rapport à ça nous gagne comme accès, par rapport à ça nous gagne comme vision, par rapport à ça nous fait des gens dans le pays. Et nous avons avantage que nous gagnons. Nous connaissons l'État très bien, nous connaissons les problèmes, nous connaissons les convenants. Je dis, par rapport à la vision que nous avons, l'MT, le sénateur, je ne sais pas si tu parles dans l'élection, même dans le sud pays, dans le sud de Saline, où nous avons demandé mon sud, je suis allé deux fois dans le sud. Je suis allé plusieurs fois dans Jacques Mel. Ça veut dire, nous pas seulement capital pays, quel pays, par rapport à la vision que nous avons, nous pas quitter PowerPoint comme ça. Nous pouvons voir pour nous avoir l'autre PowerPoint. Nous parlons de PowerPoint 5 ou PowerPoint 2. Ça veut dire, c'est toute une vision, c'est tout un programme. Le problème environnemental, ce n'est pas seulement les normes, mais c'est à travers tout le problème. Ça, on force le problème ça dans tout le pays, Wendell. Ça veut dire qui ça? Si nous disons que nous pouvons transformer la véritable, ce n'est pas seulement les normes, mais les grandes tout. Pendant que nous avons fait plan pour transformer la question de production nationale, nous pouvons voir tout. Si nous disons, je dis haïtien, mais à faire rad dans la factory, rad ça va aller aux États-Unis et puis tout le monde en Haïti souvent pépé. Mais là, nous parlons pour une décision sur ça. Je ne sais pas si c'est seulement pour un parti dans le pays, mais c'est pour tout le pays. Si nous parlons de développer le tourisme dans le pays, alors que l'agriculture n'a pas parlé dans le cadre de production nationale, nous parlons de manger avec le tourisme. Tourisme dans l'Elvini, ce n'est pas dans le pays dominicain qui parle de manger pour nous. Et tourisme dans tout, ce n'est pas les nord seulement, y compris Jacques Mel, y compris le département sud-pays, y compris en pile de l'autre côté. Je pense que je dis, la vision, ce n'est pas seulement pour un petit groupe citoyen, mais c'est pour tout le monde. Ça, j'ai besoin de dire encore, Wendell, par rapport au principe économique. On prend un succursal et banque qui est Banco Popular dans la République Dominicaine. Particulièrement, un banque qui est placé Santiago. Bénéfice annuel 2013-2014, li évalué, li dépassé 3 fois en plus que l'ensemble banque pays d'Haïti. C'est grave ça. Ça veut dire qui ça? Oui, mais est-ce que ça fait ça? Non, je ne sais pas de ça fait ça. C'est ça même besoin de résoudre parce que je connais. Pour qui ça? Nous pas créer richesse en dans pays, hein? Nous pas produire en dans pays, hein? Nous sommes à importer, ensuite pas de travail, nous pas encourager PME petite et moyenne entreprise et puis nous pas bouger l'économie pays, hein? Nous même c'est ça nous venir pour nous faire là. Ou mettre point 1 milliard de dollars. Voilà que nos quartiers populaires, ils pas faire fait citoyen vivre. Mais si toutefois on développe une nouvelle classe économique qui croit la production nationale et qui peut créer emploi et qui peut favoriser tout moun ki élite économique tan. Par exemple, tu as rencontré ensemble avec M. Berman, qui n'est pas d'accord avec le programme moyen, et puis tu as rencontré ensemble avec elle. Je me demande pourquoi ça n'est pas d'accord avec le programme moyen. Il dit, ah, on vient avec un programme et comme il s'en a pris. Il me dit, oh non, on prend ce programme, on vient avec pour nous tous. Il dit, comment? Il me dit, combien de machines vous vendez par année? Il dit, parfois c'est 300, 400. Il me dit, non. Mais il me dit, on rentre dans la République dominicaine, tant que vous-même, combien de machines vous vendez par année? Il dit, 2000, 3000, ça fait ça. C'est parce que la classe moyenne a un corps dans la main, elle a un corps, elle est capable d'acheter. Je dis, elle est capable d'acheter. Il n'y a pas d'auto-manifestation chaque jour à cause de ça.
Et il te dit ça, il me dit non, ça fait. Les doutes instabilité, fais ça tout, les doutes incertitude, fais ça tout. Moi, je réponds. Ça te dit, on dit pas oui. Me dit un. On quitte peuple haïtien choisi moun par lui-même pour l'imposer notre pays. Deuxièmement, on ouvert marché pour l'autre monde entrer là-dedans. Pour une bonne compétition dans marché. Troisièmement, on quitte un président qui peut entrer dans la corruption, un président qui peut violer la loi, qui peut chercher voler l'élection, laisse ça pour un pays qui est stable. Mais tout en que, je dis, nous ne sommes pas d'accord pour entrer dans l'économie payante, pour faire payant bouger, pour ouvrir l'économie payante, pour nous créer richesse dans le pays, pour nous entrer dans la production nationale, là, ça n'a pas de problème. Ok, nous allons finir avec l'interview. Et sénateur, dans tout candidat, yo, avec qui est-ce que vous parlez pour Chita pour un bon débat? Moi, je suis ouvert pour parler avec n'importe candidat. Je ne parle pas. C'est-à-dire que je dis, si je lance une invitation pour la semaine prochaine, avec trois ou quatre candidats, on dit, ou à l'aise. Moi, je suis prêt pour nous dialoguer, pour nous discuter, pour nous faire échanger. Pour nous débat, pour nous faire échanger, n'importe qui candidat. Ok, d'accord. Quand on est là, j'ai deux petites questions pour finir l'émission. Très bien. Mais avant deux petites questions, ça, j'ai une possibilité pendant une minute. Très bien. Pour parler avec la population qui a besoin de votre lien. Merci. Ou bien une minute, je ne vais pas interrompre la donne, je vais quitter pour parler pendant une minute. On met à deux minutes. On a mis là deux minutes pour parler avec la population qui a suivi là. Et je garantis que je ne vais pas interrompre, sauf qu'il faut respecter deux minutes. Merci, Wendel. Et peuple haïtien, je dis à nous-mêmes, ces candidats, nous avons 26 ans d'abgoumane dans le pays. Nous sommes magistrats pendant plusieurs fois, nous connaissons l'État, nous sommes sénateurs. Nous prenons des destin nous en main. Nous venons au Cafou, si nous ratons Cafou, ça, c'est la dernière chance pour Haïti. Songez. 1804, nous étions dans le désespoir pour Haïti après la mort de Saline. 1946 avec Estime, nous avons l'autre espoir. 1986, nous avons l'autre espoir. 2006 encore, nous avons l'espoir qui paraît, mais je dis finalement, nous avons 2016, son dernier espoir qui paraît pour nous là. Jeunes qui finissent faire classe, qui finissent faire études, moi, situation devant l'ambassade. Nous avons des réels dans le pays Brésil, dans le pays Chili, comment on a victime. Les gens qui besoin de faire business dans le pays, qui n'ont pas accès à crédit. Les gens qui ont passé un jour, deux jours, qui n'ont pas manger pour manger. Les gens toujours disent, par rapport à la situation et pays, qui n'ont pas d'accord avec ingérence, nous même nous là, nous pas venir pour tête nous, mais nous venir pour nous défendre nos peuples haïtiens. Ensemble avec nous pour nous travailler, pour nous défendre l'intégrité nous, pour nous défendre la dignité nous, pour nous défendre la souveraineté nous, pour nous chercher à nous comme peuple autodétermination nous. Les gens qui ont cobio, nous pas besoin de peur, au contraire, nous pas sentir nous plus à l'aise par rapport au programme nous. Nous pas mettre stabilité politique dans le pays, hein? Nous pas mettre inflation dans le pays, hein? Nous pas organiser la police pour nous sécurité. Ensuite, nous pas ouvrir marché à tout pour nous venir investir dans le pays. Hein? Diaspora, nous pas besoin de doute, nous pas le gain rôle nous pas jouer dans le pays. Nous pas retirer barrière que nous gagnons. Et je dis, nous confortables par rapport à masse qui dans quartier populaire, qui dans section communale, qui dans misère noire, nous voulons rassurer nous. Nous avons même pour retirer nous dans ça et nous même toute classe moyenne. Je dis, nous décapitaliser, nous mettez nous à genoux. Nous pas renforcer nous et à travers nouvelles banques pour encourager permettre petit man entreprise pour nous gagner accès. Moun ki fin fè etid yo, ki jò diyan ap kou ki te payan. Nou pa bezwen kou ki te payan. Mande nou sel bagay. Vote pou mwen, pou m kapab pran responsabilité pou nou. M pa antre nan korupsyon, nou gen karakter, nou gen dignité, nou gen détermination pou Haïti. Nou abandonne activité personnelle nou pou nou goumen pou ke Haïti kapab chanje. Jò diyan nou pa goun peyi ki libre, san ke pa gen troub étranger dan l, et ressources naturelles nous yo nous pas le protéger yo et nous pas le définir notre fond de coopération qui bon pour nous peuple haïtien. Deux petites questions pour finir président. Ou t'es un problème personnel avec Michel Martelly? Nous pas de problème personnel avec président Martelly. À partir de quelle hostilité a commencé? Et c'était en réunion que t'es gagné dans zone hôtel Caribé Juvena. T'es gagné ces sénateurs là, sénateur Lambert était là, Goulambert était là, Tilambert était là, sénateur Kelly était là, sénateur Carlos était là et yo tout est là et Dozen était là. Et puis rendez-vous, hein, c'était qui président Martelly te gagne, bah qui t'a dit dans mon campagne, nous t'ai besoin d'entendre. Mais c'est Lambert qui t'a pris rendez-vous ça. Et puis là, il commence à parler, il vient en retard et puis il joue tout le monde. Dès le président, dans tout qu'il a, Gonçalo Moun, il faut lever moi pour lui. Il me dit moi-même, moi, il faut lever moi. Il va pas jouer. Parce que si on sénateur nous, nous venons en contact avec moi. Et finalement, il n'a pas de lever moi. Deuxièmement, par rapport donc, c'était plus ou moins personnel. Non, ça, c'est là, bah, là, tu commences. Deuxièmement, le président a présenté ça pour faire payer, pour payer, moi, là, moi. Le président dit qu'il peut retirer les gens en battant devant le palais national ou bien les gens qui autour des capitales.
me dit président, on te côté du gain kay k'ap vinn sou la mer pou moun yo côté kay là. Deuxièmement, président te parlé tout sou comment le pa le comme pays. Président te même dit, li pa konn ministre. Il citons c'est des moun qui pa aider le diriger pays. Me dit bon président, ou pa konn ba yo, ou mele oui. Ça m'tando dit là au président, les jours où ou poser à tout ça, moi je vais le prendre en face. Ok, merci beaucoup. Et bon, pose une question. Banque ça, ou dit que tu as dû créer, qu'est-ce qu'il va créer? Le privé ou bien l'État? Et il est capable de mixer, mais l'État doit pas dire. Non, mais il y a d'autres banques déjà? Non. Ou bien Banque Centrale, ou bien BNC? Non. Bon, pas la voix. En tant que programme Fonds du Caribéen, qui ça le dit? Il dit, l'en vend gaz là, 40% apprêté pour nous bailler sur 25 ans. Pays Venezuela, et nous avons 60% chaque 90 jours. 40% par nous, qui c'est des milliards. Si toutefois, comme ça, Venezuela dit, nous n'avons pas besoin de bailler li, cash, mais nous avons besoin de patate pour lui, nous avons besoin de l'artisanat pour lui, nous avons besoin de bosse dans pour lui, nous avons besoin de diouille pour lui. Mais bon, j'en peux faire. Au lieu de quitter comme ça, gagner à travers une banque, au lieu de quitter comme on a déposé dans l'autre banque, nous sommes capables de faire comme ça, nous tomber dans la banque ça. Et la banque, c'est tout qui est réserve. Je dis, réserve ça, que l'autre pays a pas utilisé. Gon excédent qui nous-mêmes nous ca déposer dans banque ça et pour nous bouger banque ça pour nous faire bail pour accès à crédit pour qui ça banque ça qui là nous pas venir pour nous caser mais faut gagne banque mes amis qui ba accès à crédit dans pays si nous pas gagne accès à crédit les États-Unis n'a pas l'effort c'est parce que mon système qui j'ai sur crédit donc ça mais bail crédit en tout gagner en condition sine qua non ça veut dire que faut ou rendre citoyen solvable. Oh bien sûr. On va faire n'importe comment. On va venir pour faire bail n'importe comment. Il y a un parlement qui existait. Même qui ça me pensait, nous pas venir pour nous craser l'autre banque, mais faut facile par exemple, si l'État pas bail accès à crédit ou pas rentrer dans la production nationale. Les États-Unis subventionnent l'agriculture, y compris République dominicaine, mais ici nous pas faire. Ici on prête un corps pour planter banane. Depuis le premier mois, on est pour bail intérêt, alors que banane a besoin 9 mois. Bah ça faut nous résoudre. C'est pas qu'un jeune entrepreneur tout qui craser, qui perd des business. Gagner qui gagne compagnie qui crase parce que pas accès à crédit. Une fois que ou arrivé président, qui première action à poser? Rapide, n'a rentrer dans production nationale. Comment? Et à travers on décision pour prendre pour les problèmes et nous entrer dans production. Réforme agraire? Et nous pas parler de réforme agraire, nous parler de réforme de l'agriculture. Différence? Différence dans réforme agraire là, il a pas créer des problèmes dans pays alors que les réformes agricoles. Et réforme agriculture là, au lieu que nous quitter chaque team avec un petit lopin à foncer des bagages, nous capable organiser yo. Bah accès à crédit quand on va jeune pour ça et nous gagne quoi pour ça quand on va jeune et non seulement aujourd'hui banque centrale pas place seulement pour régulariser système là banque centrale m'a tout annoncé ça banque centrale pas place seulement pour régulariser système là banque centrale pas rentrer il peut agir sur croissance payant. Deuxièmement nous gagne ministère de l'économie et des finances nous pas seulement faire finance mais nous va faire économie tout ça dit l'État pas le présent dans l'économie payant et tout système communication nous faut résoudre le problème une fois pour toutes, il faut l'État présent là-dedans. En gros, c'est ce que je suis capable de dire. Merci infiniment, Jean-Charles Moïse, candidat à la présidence de la République. Dernier mot, je te dis déjà, mais je me pose une question. Côté cheval là. Merci. Dans le premier tour, vous soyez là, devant. Côté cheval là. Devant le conseil électoral là, vous êtes bon, cheval là mourit, mais nous avons pas de cheval. Non, c'était balle, c'est pas des balles réelles, c'est des balles mortes que vous êtes. Non, pas tout. Non, mais dévoile la photo. Non, c'est massacré cheval là. Ou tu as trouvé. Mais cheval là, t'es campé, on va pas dire massacré. Mais moteur, non. Il y a quelques impacts. Non, il n'y a pas de impact. Ou tu as tout. Bon, cheval là. Cheval là, va dire pas gagner un vétérinaire. Et oui, nous avons des vétérinaires. Balgué ça mourir. Les mourir, et qu'on a nous l'autre cheval. Ah, on a son l'autre. Nous avons l'autre cheval et nous pas le faire payer. Et je dis. Sous cheval là. Et pas sous cheval là. Ah bon. Cheval là, lui-même, il y a des zones où nous allons sous lui. Et il y a des côtés tout, nous avons l'autre cheval. De côté nous rivé au banon cheval mais en gros et ça qui t'est passé devant conseil électoral là c'était grave pendant nous sous cheval là nous pas prendre la parole et on verse en son nom mais okay. est-ce que moi Jean-Charles paré pour lui paré pour accepter n'importe l'autre monde comme président si c'est pas lui même qui va voter non pas besoin rivé là bon, répondez à question bonne question à vous non tant le candidat va poser une question non laissez moi un journaliste ou même okay. Si vous candidat si l'élection est faite, ce n'est pas où vous êtes élu. Vous parlez de l'opposition à Mounsa ou pas? Si vous avez bien gagné. On agit avec conscience là. Un candidat, soit cap supporté par la communauté nationale ou bien l'État économique, dis-moi qu'est-ce que vous avez fait et puis dis ça là. Donc, de toute façon, c'est vous-même qui. Mais pas, qui candidat qui a fait nous là aujourd'hui? Ok, tant moi, mais moi, dis-moi comme ça.
son exercice, c'est comme un match football. Claire. Et que tout le monde gagne, reste a perdu. Si ce n'est pas vous-même son lot, est-ce que vous êtes obligé à aller en opposition à l'autre là? Et... Ou est-ce qu'on prend l'opposition à l'autre? Gérébaï, nous ne pas opiner sur vous. Par exemple, dans la bataille électorale. Merci, merci beaucoup. Merci, Jean-Charles Boyce. C'est ton plaisir. C'est ton plaisir pour moi pour me recevoir là. Là, et honnêtement, nous parions pour nous faire l'autre émission encore avec vous, avec l'autre candidat. Pas de problème. Nous sommes contents de recevoir maintenant. Pas de problème, je suis content. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Je souhaite bonne chance à Jean-Charles Moïse. Un plaisir. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC.